In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. So hardcore, I've fallen. In all the good times, I found myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. I'm of the dead. Touch your lips, or would you love? Oh, please tell me this. Now, would you die for the one you love? Oh, hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away. I will stand by you forever. You can take my breath away. I just wanna hold you. Am
I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh, yeah. I will stand by you forever. You can't take my breath away. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je te vois heureuse comme ça là. Oui. Hein, souriante, c'est joyeuse. Le jour J. Le jour de quoi? De ton anniversaire, je crois. Ah, le jour de mon mariage. Le jour de ton mariage. Comment te sens-tu, dis-moi? Ah, je suis très contente. Oui. Oui. Je vois la joie dans les visages de tout le monde. Moi-même, oui. Je suis heureuse, oui. Je suis contente. Oui. Et voilà. Alors, dis-moi, je voudrais savoir un petit peu l'histoire. Comment tout a commencé, cette histoire-là? Hein? Comment ça s'est rencontré, là? Ah, c'est une longue histoire. Comment ça, dis-nous un peu? Ben, ça a commencé... comme ça, c'est la grâce, la grâce de Dieu m'a visité. Et à plus de 50 ans, j'ai rencontré mon mari. Je suis mère de 5 enfants, 2 petits-enfants. Mais je n'avais pas désespéré. J'ai mis confiance en mon Dieu. Et il m'a visité, il m'a donné un mari formidable. Formidable. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé en... en ce monsieur-là, en ce mari, en ce mari formidable qui fait que tu... Aujourd'hui, tu as accepté, en fait, de pouvoir l'épouser. Un cœur, j'ai trouvé un cœur. Un cœur plein d'amour, plein de d'humilité et beaucoup de respect. Et voilà, c'est tout ce que j'ai cherché pendant 33 ans. Parce que ma fille est née, elle a 33 ans. Wow. Et ben, je l'ai trouvé. C'est un homme en or, je vais dire. C'est pas parce qu'on est là, mais c'est tous les jours que je vois en cet homme que c'est vraiment une réponse de Dieu. C'est une grâce de rencontrer un homme comme mon mari. Bon, on va couper un petit peu court. Juste une dernière question, avant dernière question. Pour la masqueuse, la masqueuse, elle est aussi pressée. Oui. Dis-moi, comment c'est, en fait, comment vous avez fait pour organiser votre mariage? Bah, on a demandé à Dieu, parce que nous, moi et mon mari, depuis notre rencontre, on fait rien au hasard, rien du tout. Et on a tout le temps les réponses de Dieu s'il faut avancer ou s'arrêter, attendre encore. Et quand on a eu cette idée d'organiser notre bénédiction, déjà à notre dot, on a demandé, on a un peu dit comme Moïse qui a dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas avancer. Mais il nous a montré des preuves de ses réponses. On est allé à la dot et là, mon mari, c'est un homme de foi. Il m'a communiqué tout le temps la foi. Et il m'a dit un jour, il dit, écoute, maintenant, on va aller à la bénédiction. Mais j'ai besoin d'une réponse. Demande à ton Dieu, Dieu que tu sers, s'il nous donne la date du 11 novembre
je vais signer que c'est lui. Je lui ai dit, ah, tu m'essaies, tu me provoques comme ça, tu provoques moi. Ok. Je suis rentrée en prière et on a trouvé la salle, la date et tous les services. On a une caméraman formidable, un photographe formidable. On a tous les services, mais franchement, on est béni. Et quand je lui ai annoncé que voilà, j'ai trouvé la salle le 11 novembre, il était à son travail, il a dit non. J'ai dit, tu m'as mis à l'épreuve, tu as mis mon Dieu à l'épreuve. Et lui, il nous a répondu. Et là, la machine était entrée, on a su tout de suite que c'est lui le sponsor. Le sponsor, il ne va jamais nous laisser. Il y a eu le haut et le bas. Ce n'est pas facile, mais on le rappelait toujours. On dit, Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette date et tu nous as prouvé que tu étais d'accord. Et nous devons aller jusqu'au bout. Et là, c'est le jour J. Il est avec nous. Tout s'efface à merveille. Dernière question, après je te laisse tranquille. Regarde-le là, il est là, là, Claude. Il te regarde là, il est là. Nous devons le grand écran à la maison là, il te regarde. Dis-lui un petit mot. D'habitude, comment tu l'appelles d'habitude? Mon Boaz. Je l'appelle mon Boaz. C'est lui qui a posé la question à qui j'appartenais. J'appartenais à aucun homme. Mm-hmm. Et il a payé le prix des rachats pour moi. Il n'a pas regardé où je venais. Ruth était une Moabite. Une famille qui était prédestinée à pas avoir de bénédictions. Elle venait de là-bas. Mais quand elle s'est attachée au Dieu de Naomi, elle a rencontré Boaz. Et maintenant, on a l'histoire des rites de génération en génération. Mmh. Et moi, j'ai rencontré mon Boaz au moment où, c'est pas un héritage, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, tu vas regarder la caméra. Claude, il est là, il nous regarde. Sors-moi les plus beaux mots de poème. Donc, si tu vas en chinois, dis en chinois. Si tu vas en russe, dis en russe. En Ukraine, tu dis en Ukraine. Dis tous les mots d'amour à Claude. Déclare-lui. Remercie-le pour cette journée aussi. Hein. Je t'avais promis que je ne vais pas pleurer. Tu sais combien je t'aime. Mon Boaz, mon cœur. Je t'ai dit merci. Merci encore parce que... ta foi m'a motivée et tu m'as dit, ça va arriver. Au début, tu m'as dit, je t'avais dit mes problèmes. Tu m'as dit, on va combattre ton Goliath, on va le combattre à deux. Maintenant, tu n'es pas seul, on va le combattre à deux et on va le vaincre. Et maintenant, aujourd'hui, je te dis merci, merci avec ta douceur, mais tu as fait tomber un géant dans ma vie. Je t'aime, mon mari, je t'aime. Que c'est beau. C'est beau. À ma destinée, en tout cas, je suis vraiment, vraiment ému. Je suis dans la joie dans tout ce que nous avons fait. Et voilà, nous sommes arrivés. Alors, ce jour, tant entendu, nous sommes battus depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et avec toi, nous avons eu la victoire. Comme je t'ai toujours dit, on est à Bethel. Donc, c'est la grandeur de Dieu qui nous a amenés jusque-là. C'est la grâce. Et voilà, qu'il soit loué, qu'il soit béni. Et je t'aime très fort. You let her go. And you let her go. And you let her go. And
But you only need the light when it's burning low. I only miss the sun when it starts to snow. I only know you love her when you let her go. I only know you've been high when you're feeling low. I only hate the road when you're missing home. I only know you love her when you let her go. And you let her go. It's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love and you're just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all Oh, yeah.
festes. Nous sommes dans la joie ce matin. Bonjour à tous. Bonjour, chers parents, chers aînés. Bonjour, très chers invités. Nous sommes aujourd'hui... Est-ce qu'on peut les encourager? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Elles sont belles, n'est-ce pas? Sois
Papa Claude. Amen. Papa Claude ne serait pas complet sans sa moitié. Amen. Sans celle que j'appelle affectueusement Maman Béa. Très rapidement, avant que Maman Béa puisse entrer, 30 secondes, un très court témoignage. Le premier jour où je suis entré dans cette église, alors que je m'apprêtais à sortir des rangs, Maman Béa m'a attrapé. Elle m'a dit, toi, ta femme est ici. Tu vas te marier dans cette église. Et vous savez quoi, bien-aimé? Il y a 3 mois, presque jour pour jour, je me suis marié en ce lieu. Alors je bénis le Seigneur, je suis dans la joie pour célébrer l'union de cette femme. Je suis honoré d'accueillir Maman Béa, alors que les demoiselles et les garçons d'honneur s'apprêtent à faire leur entrée. Nous allons l'acclamer, nous allons l'encourager afin qu'elle puisse nous rejoindre, afin qu'elle puisse rejoindre Papa Claude qui a hâte, qui trépigne d'impatience. Alléluia, est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Nous allons encore acclamer à Dieu. Yes. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie. Nous allons chanter, je chanterai de tout cœur les merveilles que mon papa Yahweh. Acclamons, acclamons pour son écrit de joie. Je chanterai. Thank you.
une chose. Cela me dit une chose, que la reine est là. Que la reine est là. Est-ce que quelqu'un peut monter, 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 pousser les qui le sont là. Je l'aperçois à peine, et je sais qu'il y a quelqu'un qui a encore plus hâte que moi de la voir, c'est Papa Claude. Alors nous avons commencé à accompagner la chorale pendant que le chant fait son entrée. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia! Je suis
l'éternel la fête pour toi, mon béa. Alors nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Car notre Dieu est fidèle. Chers invités, je vous inviterai à prendre place, s'il vous plaît. Comme je le disais au début de ce culte, c'est un culte, bien-aimé. Alors gardons une attitude de révérence envers notre Dieu, car nous sommes dans sa maison. Et au vu du contexte sanitaire que nous connaissons tous, il fait chaud, c'est vrai. Et je vous invite une fois de plus à garder vos masques, s'il vous plaît. Veuillez garder vos masques, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre ce culte de bénédiction nuptiale. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Alors, pour la prière d'invocation, Maman Béa, waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Elle est belle, n'est-ce pas? Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer pour la mariée, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Waouh. Maman Béa se sent qu'elle a 20 ans, c'est ça? Gloire à Dieu, waouh, quel magnifique. Pour la prière, donc, d'invocation, je vais inviter les mariés à prendre place, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut aider Maman Béa? C'est bon? Amen. Gloire à Dieu. Merci, très chers invités. Nous allons donc poursuivre. Je vais inviter le pasteur Christian pour la prière d'invocation. Est-ce qu'on peut acclamer et encourager le pasteur Christian, s'il vous plaît? On peut acclamer très fort pour le Seigneur, plutôt. Je pense que c'est lui qui mérite des meilleures acclamations que ça, je pense. S'il y a un enfant de Dieu ici qui aime son Dieu, il peut acclamer très très fort et honorer le Dieu qu'il aime et le Dieu qui nous fait tous du bien. Nous bénissons notre Dieu qui permet que tout ce que nous vivons là puisse être vécu. Amen. Et nous sommes honorés aussi d'acclamer nos chers mariés qui sont tellement magnifiques. Est-ce que quelqu'un aime Papa Claude ici, son sourire? Maman Béa aussi, son sourire. Waouh! Des gens exceptionnels qui nous donnent toujours de la joie et des encouragements. Et nous bénissons le Seigneur pour vos vies et nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Amen. Je voudrais tous vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous adressez nos sincères salutations et vous souhaitez la bienvenue au Centre international d'évangélisation, le Jubilé, qui est dirigé par le père et le visionnaire de la maison, le bishop Bruno Cui. Mais en son nom aussi, je vous adresse les salutations et vous souhaite la bienvenue. Amen. Amen. Quel que soit le lieu d'où vous venez, sentez-vous ici, chez vous. Sauf si vous êtes enfant de Dieu, que vous aimez Dieu, nous sommes ensemble tous dans notre maison. Amen. 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 Et nous voulons dire que ce jour, le Seigneur est au centre. Parce que tout ce que nous faisons, nous plaçons le Seigneur au centre. Et avant de prier, je voudrais vous lire un verset biblique. Le psaume 127, c'est un psaume que nous connaissons tous. Vous savez, ce genre de verset que l'on connaît, ou parfois on ne connaît pas trop la référence, mais on l'a toujours dans un coin de notre tête. Amen. Le psaume 127, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons sans le Seigneur, les choses sont vaines. Et nous voulons mettre le Seigneur au centre de ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que lorsque nous faisons les choses avec lui, les choses réussissent. Est-ce que quelqu'un croit cela ici? Gloire au Seigneur. Nous voulons prier. Éternel, tendre Père, nous te rendons grâce et avec beaucoup de solennité, nous nous approchons de toi. Et nous voulons, Seigneur, te dédier cet instant, ce culte, Seigneur, de bénédiction nuptiale. Nous voulons prier que tu sois au centre. Parce que Seigneur, ô Dieu, ce que nous bâtissons sans toi, Seigneur, n'a pas de sens. Et nous voulons bâtir cette cérémonie avec toi. Nous voulons bénir cette union avec toi. Seigneur, si toi tu ne gardes pas, Seigneur, une ville, ceux qui la gardent en vain.
Et si toi tu n'es pas au centre de cette cérémonie, ce que nous ferons sera inutile. Ainsi nous appelons ta présence et nous sommes sûrs que tu es là. Parce que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es là au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es au cœur de cette organisation et au cœur de cette bénédiction. Que ton nom soit glorifié, nous laissons toutes choses entre tes mains, tout pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, à la gloire du Père, et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, excellent culte à tous. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer, s'il vous plaît? Je vais à présent inviter le pasteur Didier. Je vais inviter le pasteur Didier pour l'institution et l'instruction du mariage. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur, nous avons deux lectures en ce qui concerne l'institution et l'instruction du mariage. Nous lisons pour la première lecture ce qui concerne l'institution du mariage. Nous croyons que Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, est aussi l'auteur du mariage. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 21. Nous allons commencer au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Nous allons lire la deuxième lecture. C'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur.
Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'il y a la joie en ce lieu? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? C'est un jour de joie, un jour de fête. Alléluia. Et dans la joie, nous voulons donner à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui donne. Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous voulons nous lever pour faire ce service des offrandes. Nous sommes dans un culte et le culte est complet quand il y a aussi des offrandes. Alléluia. La chorale va nous en donner. Sœur Béatrice, l'Église des dieux a la joie de vous accueillir chaleureusement à l'occasion de votre bénédiction nuptiale. Chère famille, amis connaissances et distingués invités, soyez dans la joie et dans l'allégresse pour accompagner ces couples dans la voie du bonheur. Je voudrais tout simplement ici rappeler que nous célébrons ce mariage de manière jumelée, conjointement avec l'Assemblée évangélique La Fraternité à Argenteuil, qui est l'église du frère Claude et Béatrice et Jubilé, et ils ont mis ces deux églises ensemble et dans une complicité de la célébration pour les accompagner. Ben, je voudrais particulièrement accueillir le pasteur Massamba, qui est le pasteur de l'Assemblée évangélique La Fraternité, pasteur Massamba. Et je voudrais accueillir les diacres de l'église qui l'accompagnent, les anciens. Levez-vous. Je voudrais accueillir les familles de mariés, la famille du frère Claude et la famille de la sœur Béa. Levez-vous, chère famille, nous voulons vous accueillir. Dans le nom de Jésus. Qui les accompagne, les témoins de mariage qui sont dans la salle, chers témoins. Et si dans la salle il y a de pasteurs, serviteurs, servants de Dieu qui viennent d'autres assemblées et qui ne se sont pas fait signaler à l'arrivée, vous pouvez vous lever, nous voulons vous accueillir dans l'amour du Seigneur. Stresser le marié qui, au sortir de ses lieux, a un autre programme. Mais vous pouvez le constater que cela ne vient pas de nous, mais de vous et de nos invités. Nous devions commencer ce programme à 14h, mais nous allons de manière professionnelle rattraper les choses de manière à ce que ça se passe très bien et trop bien. Amen. Donc soyez calme et ne soyez pas stressés. Nous voulons partager une réflexion dans les livres de la Genèse. Au chapitre 24. Parce qu'il s'agit du mariage. Genèse chapitre 24,
lisez le verset premier jusqu'au verset 4. Et ensuite, vous lirez le verset 9, le verset 12 et le verset 13. Genèse, chapitre 24. Je commence par lire du verset 1er au verset 4 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abraham et ses yeux avançaient en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de la maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Au verset 12. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Verset 13. « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. » Verset 14. « Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je bois, et qui répondra, bois. Je te donnerai aussi à boire et à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par laquelle je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Parole du Seigneur. Amen. C'est un serment. C'est un serment. Et donc Dieu le prie à témoin. C'est un serment qui fait l'un pour l'autre et qui est fait avec Dieu. Le mariage, c'est un vœu. Et comme vous pouvez le constater dans la vie de tous les jours, depuis les temps les plus anciens, le serment, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'honorabilité. Lorsqu'on fait serment, on s'engage à accomplir les paroles de son serment. Lorsqu'on fait un vœu, on s'engage à accomplir les paroles de son vœu. Et ces paroles ne peuvent être que les paroles d'honneur. Amen. La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Abraham est prêt de mourir. Et il choisit. Et dans sa maison, il y a beaucoup de serviteurs. Mais il choisit le plus ancien de tous. Et quelque part, je me dis, peut-être le plus fidèle, peut-être le plus loyal. Et pourquoi seulement lui? Je me dis, oui, c'est lui. Parce qu'il pense qu'il ne pourra pas les trahir. Parce qu'il pense qu'il fera les choses avec exactitude comme il le veut. Viens, mon serviteur, je vais te charger d'une mission. Mais ce n'est pas une mission comme les autres.
Ce n'est pas une affaire charnelle, c'est une affaire de Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Et cet enfant que Dieu m'a donné dans ma vieillesse est celui qui est appelé à pérenniser mon alliance avec Dieu. Abraham a la révélation sur la destinée d'Isaac. C'est de cet enfant que sortira la nation de Dieu. Mais alors, à cause de sa destinée, il ne faut pas qu'il prenne n'importe quelle femme en mariage. Le mariage, c'est une affaire de la destinée d'un homme, de la destinée d'une femme. Il a la révélation de la destinée de celui qui va pérenniser les termes de l'alliance abrahamique, c'est-à-dire Dieu avec Abraham. Et la femme qui doit venir dans la vie d'Isaac ne peut être que la femme de sa destinée. Amen. Tu as compris, frère Claude, que tu as une destinée prophétique. Amen. Et que celle qui doit venir dans ta vie n'est autre que celle qui doit t'accompagner dans cette destinée. Parce que la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Le bonheur, c'est ce qui aide l'homme à accomplir sa destinée. Lorsqu'Abraham a interdit à son serviteur de ne pas prendre une femme étrangère pour son fils, en ce moment-là, Dieu n'avait pas encore interdit à son peuple de prendre des femmes étrangères. Il ne le fait pas par la loi, parce que la loi interviendra plus tard avec Moïse. Mais il le fait par révélation. Le mariage, c'est une histoire de révélation. Amen. Où je vais, qu'est-ce que je vais devenir, à quoi je suis appelé, est-ce que celle qui va m'accompagner va s'aligner à ma vision de la vie, est-ce qu'elle est la femme de ma destinée. Le mariage est déterminant pour la destinée de toute personne sur la terre. Nous avons vu des hommes intelligents, dotés de capacités intellectuelles, morales, des génies, mais qui ont vu leur destinée brisée à cause de l'échec du mariage. On ne joue pas avec la destinée. D'où, au vu de l'importance de la destinée de son fils, Abraham fait gérer son serviteur. Il lui fait passer sa main par sa cuisse. Quelle cérémonie solennelle. Le mariage, c'est un serment. Et les conséquences
dans la désobéissance, les paroles, les serments sont désastreuses. Pourquoi un serment? C'est au vu de l'importance. Aujourd'hui, le mariage est banalisé. Aujourd'hui, le mariage a perdu son sens. Aujourd'hui, le mariage a perdu sa raison d'être. Et le serviteur ne va pas aller comme un commissionnaire. Le serviteur d'Abraham ne va pas se dire, ben, je peux lui filer ma nièce ou la fille du voisin. C'est des choses qui se passent aujourd'hui. On se commissionne des femmes et des hommes pour le mariage. On joue avec des destinées des gens. Tu as compris que tu as une destinée prophétique. Quel que soit les difficultés du parcours, mais il n'est jamais trop tard avec Jésus. Amen. Seigneur, envoie-moi la femme de ma destinée. Amen. Celle qui va m'accompagner pour réaliser, accomplir le rêve de ma vie. Pour te servir. Ce n'est pas un commissionnaire qu'on envoie chercher une femme pour Isaac. Et non seulement qu'il vient de prêter serment à Abraham. Il est lié par ses serments. Il est lié par son engagement. Abraham lui a dit, l'Éternel enverra son ange qui va t'accompagner. La mission est difficile. Mais le choix d'un homme, c'est une mission difficile. Souviens-toi, quand tu es venu me parler de Claude, ma première réaction, je t'ai dit, je t'avais dit oui. Fallait que je prie. Non seulement que je priais, je cherchais à les connaître à travers ceux qui les connaissent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ce n'est pas ceux qui les connaissent depuis 6 mois, depuis 30 ans. Ok? Je me suis déplacé. Je suis un grand enquêteur. Je me suis déplacé. Ça, je sais le faire. Et mon ami Faustin Choum, paix à son âme, me dira, oh, dis oui, c'est un bon frère. Tu ne seras pas déçu. Lui, il te connaissait depuis plus de 30 ans. Et d'autres. Jackson. Ok? Je te révèle des choses. Tout simplement parce que pour moi, ce serait pour Béa. Je ne peux pas livrer ma vie entre les mains d'un n'importe qui. C'est sérieux. Et ma femme peut en témoigner. Elle, en tant que maman, elle soutenait sa fille. Laisse-la. Moi, je dis non, attendez. Laissez-moi le temps de mûrir cette histoire. Et le serviteur d'Abraham va faire cette prière parce qu'il n'a pas droit à l'erreur. Le mariage, on n'a pas droit à l'erreur. Parce que l'erreur
sur la personne ou sur les choix fait déraper toute la destinée de quelqu'un. Mais elle cherche dans cette femme-là aussi les qualités de la femme de valeur, la femme vertueuse. Elle ne dit pas, Seigneur, montre-moi une femme, mais elle dit, je veux une travailleuse. Celle qui va me donner à boire, et qui me dira. Et il n'avait pas fini de prier, et Rebecca arrivait. Les choses se sont passées comme il a demandé, comme Abraham l'a souhaité et l'a voulu. Déjà, Rebecca a prouvé au serviteur d'Abraham qu'elle a des qualités d'une femme de valeur, l'hospitalité. Et elle a bien accueilli ce serviteur. Savoir servir. Elle lui a donné de l'eau. Elle a servi les chameaux. Vous savez, un chameau boit beaucoup de litres d'eau. Et il avait avec lui 10 chameaux. Et cette femme a fait boire tous ces chameaux. Combien des allers-retours a-t-elle fait entre la source et les lieux où se trouvaient les serviteurs avec les chameaux pour faire boire tous ces chameaux? Les chameaux boivent beaucoup. Tu feras à manger pour plusieurs personnes. Et laquelle ils sont nombreux. C'est une famille nombreuse. Ah, mais ils étaient là dimanche, je vais encore venir ce dimanche. Ton problème, c'est de les servir. Tu auras des chameaux, des hommes qui mangent la semoule, tu n'as pas l'idée. Alors que tu es à table avec eux, tu dois quitter la table pour aller faire encore la semoule. Sois Rebecca. Amen. Une femme de valeur. Amen. Mais tu connais ton secret. Les secrets qui t'a amené ici. Tu connais ce secret. Je ne vais pas en parler. Mais s'il y a une femme qui est dans le célibat, qui est dans l'église, qui sert Dieu, livre-lui ton secret. Elle arrachera la bénédiction que tu viens d'arracher. Ne garde pas ce secret pour toi. Tu sais de quoi je parle et ma femme sait de quoi je parle. Je vais terminer par une chose. Le mariage, c'est un champ de bataille. Dans Genèse, au chapitre 3, la Bible dit que le serpent était le plus riseux de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, et nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Le mariage, c'est un champ de bataille. Cette bataille qui a commencé avec nos premiers parents, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, se poursuit encore dans nos mariages aujourd'hui. C'est combat spirituel. La même manière que Satan est passé par la ruse, il passe encore dans les couples. Il me semble que dans les jardins d'Éden, il a commencé par la femme et il continue à passer par les femmes. Par la ruse, Dieu a-tu réellement dit? Il est venu avec la parole. Mais Ève n'était pas affermie dans la parole. C'est ce qui l'a fait tomber. Et maintenant, souvent les gens disent, mais Adam aussi, fallait peut-être se débarrasser de cette femme et ne pas en manger le fruit quand la femme l'amène dans son aventure. Non. Adam n'avait pas de choix. Parce qu'à partir du moment où la femme a cédé, ipso facto, sur le plan spirituel, l'homme était dans le péché. Pourquoi? Parce qu'Adam a dit, voici celle qui est os, ma chair. Donc le deux était une seule personne. La chute de la femme entraînait automatiquement la chute de l'homme. Ne faille pas. Si tu failles, il faille. Ne faille pas. Si tu failles, elle faille. Ce que Ève aurait dû faire. Dieu a instruit l'homme. Elle n'était pas là. C'est de rester à sa place. Et dire au serpent, cette affaire-là, il faut voir avec Adam. Moi, je n'en connais pas trop. Reste à ta place. L'homme, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Aime ta femme et que tu sois soumise. La soumission n'est pas l'esclavagisme. La soumission est l'ordre. Dans l'ordre divin. Dieu, Christ, l'homme, la femme, c'est l'ordre divin. Accepter sa position là où Dieu t'a établi. Cela ne veut pas dire que dans le couple, toi, tu n'as pas de pouvoir. Parce que le bonheur, c'est toi qui l'as. C'est un pouvoir. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais les femmes, vous en cherchez d'autres pouvoirs. Laissez les hommes à leur place. Garde la chute, ne prends pas les pantalons. Les pantalons, c'est pour lui. Donc, il y a des choses où tu ne dois pas prendre des décisions. Des choses sérieuses de la vie. J'attends que mon mari arrive. Ma femme, tu peux poser la question à ta maman. Si elle reçoit un appel à mon absence, elle a une seule réponse. J'attends mon mari. Même si c'est son père qui l'appelle. Même si c'est sa famille. Elle dit, je vais en parler à mon mari. Ève n'a pas attendu Adam. Elle a décidé. Mais cette décision liée l'homme. Parce que vous êtes une seule personne. Tes bêtises vont la lier. Tes erreurs vont la lier. Ton désordre va la lier.
et le bien que tu feras lieront ta femme. Si tu marches dans l'excellence, elle va marcher dans l'excellence. Vous êtes liés. Les liens du mariage est spirituel. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont séparés physiquement, mais sur le plan spirituel, ils restent toujours liés. Les liens d'âme, lorsque la Bible dit l'un et l'autre sont ensemble, ils deviennent une seule chair. Nous partageons nos fautes, nous partageons nos bénédictions, mais on partage aussi les malédictions. Parce que dans Zacharie, la Bible dit que la malédiction poursuit quelqu'un jusque dans sa maison et se répand dans sa maison. C'est-à-dire, touche sa femme, touche les enfants, touche toute la maison. Je voudrais, pour terminer, vous amener à comprendre que dans ces combats spirituels, vous devez étudier la parole de Dieu. Vous devez être revêtu des armes spirituelles. La prière, la foi. Mais enfin, la clé que beaucoup ont ignorée, que beaucoup ont délaissée, que beaucoup ont perdue, source des conflits, des séparations et de toutes les difficultés qu'il y a dans le mariage. Je vous la donne. Tu as quelque chose là pour moi? Réa. Je donne la clé. Je donne la clé. Je reçois gratuitement, je donne gratuitement. Amen. La clé, c'est l'amour. Amen. Et je discutais avec un couple. La famille et moi, ça y est, je ne veux plus de cette histoire. L'homme dit, mais, Bishop, viens voir la cuisine, le congélateur, il est plein. Je fais toujours des courses, tout ça. Le problème, ce n'est pas les courses. La femme, tu peux lui acheter une maison, une villa. Là n'est pas le problème. La femme n'est pas dans les biens matériels. C'est éphémère pour une femme. La femme est dans l'amour, dans la tendresse, dans la douceur. La femme n'aime pas la violence. La femme n'aime pas l'agressivité. La femme, c'est une colombe. La femme, c'est une colombe. Elle est douce. Elle n'aime pas trop de fardeaux, trop de charges. Il faut la décharger. Il faut la libérer des fardeaux, des charges. Des fois, quand je suis dans les transports en commun, tôt le matin, je vois des femmes qui vont au travail, mais fatiguées. Je dis, mais ces femmes. Ah! Prends le train de 5h30. Qui verra les pauvres femmes? Elles travaillent beaucoup, elles sont fatiguées. Mais quand elles rentrent avec cette fatigue-là, n'ajoute pas la fatigue à la fatigue. Rends-lui ton cœur. Comme un seau, l'amour, comme un seau dans le cœur. Mais l'amour, Béa, l'amour pardonne tout. Rien n'est impardonnable dans l'amour. L'amour ne compte pas le nombre de pardons passés. Tu es prêt à pardonner à Claude toute ta vie? Jésus a dit combien de fois? 70 fois. Ça fait combien? Hein? Calcul mental, hein? Oh, Claude, toi, le mois passé, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as recommencé encore. Cette fois-ci, va dehors. Non.
L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu es avec qui au téléphone? Donne-moi ton téléphone. Qui c'est qui t'appelle? La curiosité, la jalousie, ce sont des poisons, des virus de l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est basé sur la confiance mutuelle. Si Claude te dit qu'il est au travail, il est au travail. Ne fais pas les contre-espionnages. Je connaissais il y a 20 ans une sœur dans l'église. À l'époque, nous étions en Saint-Denis. Tant qu'elle ne vient pas à l'église, elle est récrite des personnes qui doivent lui donner les informations. Même dans la maison de Dieu, avec qui son mari a parlé. Des fois, nous faisons le covoiturage, déposer des bien-aimés à la gare, qui est monté dans la voiture de son mari. L'amour n'est pas dans les soupçons. L'amour est patient. Si la sœur te dit attends, attends. Sois pas pressé. Ok? Ce mariage est heureux. Béa, quelle grâce. C'est un bon frère. Un garçon sans histoire. Toujours souriant. Amen. Amen. Un garçon très respectueux. Vous savez, aujourd'hui, c'est rare de trouver des gens respectueux. Il n'y a plus du respect. Comme tu as la Mercedes, j'ai la Mercedes. Non. Le respect de l'autre n'a rien à voir avec le matériel, avec l'argent. Le respect des aînés. Un frère respectueux. Gloire au Seigneur. Amen. Mais Claude, laisse-moi te dire que Béa, c'est une battante. Alléluia. C'est une femme de prière. Amen. C'est une intercesseuse. Elle va beaucoup t'aider, te soutenir dans les prières. Et tu le sais très bien, c'est une militante du combat spirituel. Et ça, tu en as besoin. Ne sois pas stressé, nous arrivons à la fin. Est-ce que l'Église peut les acclamer? Tarder, je vais inviter Pasteur Massamba, Pasteur Didier, Pasteur Christian, Pasteur Prince, Évangéliste Santo, Pasteur. Maman Costa de me rejoindre. Je célèbre toujours le mariage avec ma femme. Nous avons 34 ans de mariage. Suivez-nous et restez sur nos traces. Je vais inviter l'ancien Joss à aider Béa, Maman Costa à aider Béa, à pouvoir s'élever. C'est une robe royale, hein? Béa! Ah! Quelle robe!
C'est une robe royale. Hein? Attention. Ah, il faut la faire monter doucement parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas droit à l'erreur. Soulève, soulève. Pas content. Oh, tu restes. Voyez son obéissance, il attend que je l'appelle. Je ne dis pas n'importe, il est comme ça. Il attend que je l'invite. Ça, c'est Claude. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Que nous procédions à la bénédiction nuptiale, donnez-moi un micro pour passer ma samba. Monsieur Pimi, c'est mon frère, ça fait longtemps, longtemps c'est collé. D'abord, j'ai des larmes pour mon frère, papa Claude et maman Béa. Pasteur, il a dit des choses que j'ai déjà dit à l'église à Argenteuil. Papa Claude, c'est un frère que je connais depuis X temps. Il était chantre à l'église à Ifa à l'époque avec pasteur Mathieu Kayé. Ça fait longtemps. Et lorsque j'ai passé à la télé, il me regardait, il me suivait. Je ne savais pas parce que la télé, quand tu passes partout dans le monde, on te regarde. Et c'est un frère qui était fidèle à mon émission. Et un jour, il est venu et puis j'ai dit, mais oh frère, je te connais. Je te connais depuis Haïfa. Après, vu la situation, on ne peut pas tout répéter parce que le temps nous fait défaut. Mais, pasteur, vraiment que Dieu te bénisse. Parce que lorsque papa Claude m'a dit, pasteur, tu connais ma future épouse, je dis qui est. Elle m'a dit, elle vient souvent dans votre église. Je dis, dans mon église. Elle m'a dit, oui, elle s'appelle comment? Elle m'a dit, maman Béa. J'ai dit, ok, maman Béa. Elle dit, papa Queen. Elle m'a dit, oui, c'est. J'ai dit, ah, ça tombe bien. Prophétie. Destinée prophétique. Je dis ça tombe bien. J'ai déjà prié pour elle et Dieu nous écoute. Et Dieu a répondu à notre prière. Tu as trouvé une femme de prière. Une femme qui aime Jésus. Tu as maintenant la paix de Dieu dans votre couple. Je l'ai dit comme ça. Et c'est tout ce que le pasteur vient de dire. Vraiment que le nom de Dieu soit béni. Soyons fidèles à ce Dieu-là. Je voulais seulement ajouter un verset de la Bible. Jean chapitre 2, au verset 1. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Dans le mariage de Cana, le marié était vraiment prudent. Il a invité Jésus. Et heureusement, Jésus était dans ses mariages. Comme conseil, invitez seulement Jésus. Il va résoudre tout. Que Dieu vous bénisse. Merci.
frère Claude Cerbeya, vous avez décidé de vivre dans l'union sacrée du mariage devant Dieu et devant les hommes. En formant cette union, vous voulez les construire jour après jour sur la présence de Dieu et sur l'évangile Christ. Devant cette assemblée, vous venez affirmer votre volonté de vivre ensemble au milieu du peuple que Dieu a choisi d'en faire votre famille. Voilà pourquoi il est écrit: chacun quittera son père et sa mère et s'attachera à son conjoint, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais un. Et que l'être humain ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voulons vous présenter ces alliances. Je vais demander au pasteur Prince de prier pour ces alliances. Nous te prions, ô Père, toi qui es l'auteur du mariage, pour ces alliances, et nous les sanctifions par ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons toute influence de l'ennemi. Par ton nom puissant, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Cette alliance est le gage de votre serment devant Dieu et devant son Église. Le gage de votre consentement à prendre en mariage la sœur Béa devant Dieu et devant son Église. Acceptes-tu de prendre la sœur Béa qui est là devant toi comme épouse, de l'aimer, de la chérir, de lui demeurer fidèle, attaché dans l'amour du Seigneur jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Tu ne feras pas porter cette alliance sur une personne dont tu n'es pas sûr que c'est la même personne que tu as aimée et que tu aimes, parce que je vois que son visage n'est pas ouvert. Est-ce que tu peux lui enlever les voiles avant de lui faire d'autres te diront c'est Dieu, mais moi j'ai pas pour moi et une forte conviction, et je me suis dit dans mon cœur, voici cette fois-ci. Je me suis dit non, comme Dieu a changé le nom de Abraham et de Sarah, j'étais appelé Bethel. De ma destinée.
te mets cet anneau en signe d'alliance. Et je sais qu'il y a beaucoup d'émotions, mais ce n'est pas le moment, Béa. Surmonte tes émotions. L'église et les familles veulent entendre ta voix. Ma fille Béa, acceptes-tu de prendre le frère Claude qui est là devant toi pour époux, de l'aimer, de lui demeurer fidèle, soumise, attachée dans l'amour du Seigneur jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Que ton oui soit. Rapporter cette alliance, gage de ton engagement, de ton serment devant Dieu et devant l'Église. Pour mon frère, mon petit frère, tu sais où il est maintenant, mais Dieu est au contrôle à côté de toi, comme l'a dit mon papa, que je serai fidèle, je te promets, pour nos enfants et pour nos familles. Vos vœux respectifs devant Dieu et devant son Église. Avec une autorité et le pouvoir que le Seigneur m'a confié, je vous déclare mari et femme. Que tu as choisi pour une vie sacrée dans l'union du mariage. Comme on annonce des canons, Jésus, tu es là pour les bénir, les rendre heureux, afin qu'ils soient en paix avec leur passé. Que tu renouvelles toutes choses. La Bible dit, ne pensez pas aux événements du passé, car je vais faire des choses nouvelles. Et ce soir, les choses nouvelles commencent dans la vie de Claude et Béa. Et ce soir, nous déclarons que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Nous venons, Seigneur, bénir ce mariage dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent toute bénédiction et que la grâce, Seigneur, les accompagne. Dans le nom de Jésus, à la gloire de notre Père. Amen.
J'ai l'honneur ce soir de vous présenter Monsieur et Madame Kera Kera. Oh! Laissez-nous finir la cérémonie. Serviteur, c'est la clé de tout. Et si vous vous attachez à la parole de Dieu, rien ne peut vous atteindre. Attachez-vous à cette parole, que soit les temps, les bons ou les mauvais, accrochez-vous au Seigneur. Soyez bénis. Nous allons procéder à la signature du livre d'or de l'Église avant la grande célébration dont vous êtes prêtes à venir célébrer cette fête avec Claude et Béa. Maman Béa pour la signature du livre d'or. Papa Roger Calon. Papa Roger Calon. Nous invitons Papa Roger Calon qui est le représentant de la famille de Claude. Papa Zacharie, qui est le représentant de la famille de Béatrice.
Faites la photo. Faites comme si vous écrivez. Voilà. Regardez. Nous invitons les témoins, les Claude et Béatrice, de venir, les témoins. Il y a Maman Liliane, il y a Maman Cathy, Papa Adelin, célébration et alors des fêtes. Nous viendrons pour les encourager. Vous avez une enveloppe que vous ne serez pas à la soirée ce soir. Vous pouvez leur donner votre enveloppe maintenant. Passez ensemble. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Papa parce que nous t'avons invité. Et tu es là et tu nous as assisté du début jusqu'à la fin, Papa. Merci, Papa, nous sommes à la fin. Bientôt, nous allons rentrer dans nos maisons et nous irons encore dans la salle. Nous prions au nom de Jésus que tu puisses nous accompagner toute la nuit. Là où il y a ta présence, il y a la paix. Là où il y a ta présence, il manque quelque chose, tu es la solution. Seigneur, que ta joie nous accompagne. Bénis cette assemblée, bénis ton serviteur, Papa Kwimi. Remplis-la encore de l'onction. Que cette église soit remplie de membres. Seigneur, je te bénis.
On était bénis et j'ai béni cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, qui est notre assurance, nous disons Amen. Et que vous bénissez. Thank you.
Thank you.